unto you, oh God. All the glory belongs, all the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh God. All the glory belongs to you, oh God. All the glory belongs to you. Gloria. All the glory belongs to you, oh God. We sing, all the glory belongs to you, God. All the glory belongs to you.
Jesus, Omega Naya. I worship you today, Jesus, Omega Naya. I bow before your throne, Jesus, Omega Naya. I worship you today, Jesus, Omega Naya. I bow before you, Jesus, Jesus, Omega Naya. I worship you today, Jesus, Omega Naya. I bow before you, Jesus, Jesus, Omega Naya. Dans les sept chandeliers d'or.
We worship you. Nous t'adorons. He that has the seven stars in his right hand. Celui qui détient les sept étoiles à sa main droite. We worship you. Nous t'adorons. Blessed be your holy name. Béni soit ton saint nom. Glory be to your holy name. Gloire à ton saint nom. The offspring of David. Celui qui est la postérité d'Abraham. Celui qui a vaincu, the one who prevailed, celui qui a vaincu, to open the book in the right hand of the Father, il a ouvert la porte, le livre à la main droite du Père, and to open the seals thereof, et qui doit aussi ouvrir les sceaux. We worship you, Jesus. Nous t'adorons, Seigneur. Our soon coming King. Notre roi qui vient bientôt. We worship you. Nous t'adorons. Thank you, Abba Father. Merci, Abba Père. Blessed be your holy name. Béni soit ton saint nom. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus avec des acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer aussi la chorale? Hallelujah. I'd like us to welcome our online audience. Can you welcome them with a clap offering as well? Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à notre audience en ligne avec des acclamations? Hallelujah. Amen. You may take your seat. Veuillez vous asseoir. You may take your seat. Veuillez vous asseoir. I'm sure we all remember what the new timing is for our midweek services. Voilà, je sais que on se rappelle tous de ce nouveau timing de notre culte de mi-semaine. So what it means is that we technically have 1 hour 15 minutes for our midweek services. Ça veut dire que de façon technique, on a 1 heure 15 minutes pour nos cultes. And so things are going to be done very sharply. Voilà, les choses vont se passer très rapidement. We've done that because of the security situation in the country. Nous avons fait ça à cause de la situation sécuritaire de ce pays. So it's a temporary measure. Voilà, c'est une mesure temporaire. And the idea is so people can go home in daylight. Voilà, c'est pour que les gens rentrent tôt. But we know that things will ease up very soon. Et nous savons que les choses vont s'améliorer très bientôt. We know things will get better very soon. Oui, les choses vont s'améliorer très bientôt. And then we can go back to our original time. Et amen. Nous allons reprendre notre temps original. It's good to see everybody. Voilà, il est bon de revoir tout It's le monde. Good to be back home. Il est bon d'être de retour. You know, there's a saying that east, west, home is the best. On dit qu'il y a un adage qui dit est ou ouest, chez soi, c'est la meilleure des choses. IPAC Congo DR and IPAC Uganda were actually superseded our expectations. Voilà, IPAC Congo, IPAC Uganda ont dépassé les attentes. I'm sure that the pictures haven't been projected yet, but the pictures have been posted on the platforms. Les images ont été projetées sur les plateformes. So we're hoping that were they projected here? Yes. Congo was projected. Wow. Okay, good. Sunday. Okay, so we'll project Uganda on Sunday. On va projeter aussi les images de l'Ouganda le dimanche. Our God is gracious. Notre Dieu est gracieux. Even as I'm talking, testimonies are still coming. Alors je vous parle, les témoignages tombent encore. Some were sent to you to translate to yes, English. Yes, sir. Yes, so you've done that. Yes, sir. So we'll be reading them out on Sunday. Yes, sir. Yes, sir. You know, testimonies are still coming in. Nous avons encore les témoignages que nous allons partager aussi le dimanche. From Congo DR, from Uganda. Depuis le Congo, depuis l'Ouganda. Hallelujah. Amen. God is awesome. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Let me give you one of the testimonies from Uganda. Je vais partager l'un des témoignages de l'Ouganda. A woman whose brother was supposed to be, these were conferences for pastors, so it's not like miracle services, you know what I mean? Voilà, c'est une conférence de pasteurs, c'est pas comme un culte de miracle. A woman whose brother was mentioned, she was weeping after Pastor Mary, it's good to see you. Welcome. Voilà, she was weeping after the service, after the conference, she came to me the first day that her brother has a tumor somewhere and is supposed to go for his surgery and that the surgery is so expensive. She doesn't even know where to start from. She was weeping. Il y a une femme qui pleurait parce que son frère avait des tumeurs dans son corps et qu'il devrait aller pour une opération et cela coûtait très cher. Elle pleurait. So, and even me, I didn't know what to do. Et personnellement, je ne savais quoi faire. But as she was speaking, somehow I just decided to listen to my spirit man. Et au moment où elle parlait, j'ai écouté mon esprit. And I felt the Lord say to me, pray for the brother. Et le Seigneur me dit, prie pour le frère. And then I had a handkerchief. Et j'avais un mouchoir that was in my pocket all through the conference. Qui était dans ma poche pendant toute la conférence. And the Lord said to me that his anointing is upon that handkerchief. Et le Seigneur m'a dit que l'onction est sur ce mouchoir. Just like it happened with Paul. Comme c'était le cas de Paul. And I gave her the handkerchief. Et je lui ai donné le mouchoir. She was going to see her brother the next day. Elle devrait voir le frère le lendemain. So they can prepare to go to the hospital. Afin qu'il se prépare pour aller à l'hôpital. Et j'ai dit, quand tu verras ton frère, mets le mouchoir sur lui et prie pour lui. Before you go to the hospital. Avant d'aller à l'hôpital. And that was it. Et c'était tout. And I forgot about it. Et j'ai oublié ça. But somehow the next day, alors le lendemain, the Lord reminded me, le Seigneur m'a rappelé, of what happened, the prayer and the handkerchief that you know I did the previous day. Oui, sur la prière et le mouchoir que j'ai donné. And I felt the Lord say to me that that young man had received the miracle. Et j'ai reçu la conviction que cet homme, il a déjà reçu ça,
guérison. But I left it. Et, mais j'ai laissé. So on my way from the airport, voilà, au moment où j'étais en route vers l'aéroport, from the airport here, ici, au Nigeria, after everything in Uganda, après avoir accompli tout en Ouganda, I see a call from Pastor Jude, j'ai reçu l'appel du pasteur Jude. And I returned the call, et j'ai rappelé. He said to me, Pastor, il me dit, Pasteur, miracle. Miracle. He said, what happened? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? The woman put the handkerchief on the brother. Il dit, la femme a déposé le mouchoir sur son frère. They got to the hospital. Ils sont partis à l'hôpital. They checked. Ils ont vérifié. They didn't find anything. Ils n'ont rien trouvé. Hallelujah. They didn't find anything. Ils n'ont rien trouvé. Wow. Hallelujah. Even me, I was shocked. Moi-même, j'étais choqué. Hallelujah. Amen. And he said to me, et il me dit, he's going to get that woman to record her testimony. Et il va faire à ce que cette femme enregistre son témoignage. You know, virtually. Voilà, de façon virtuelle. So that when it's done, video will play it. Et lorsqu'ils auront fini la vidéo, on va jouer ça ici. But it tells you that nothing is impossible. Mais cela vous dit que rien n'est impossible avec Dieu. There was in Congo, there was a woman who hadn't seen her period for a long time. I'm sure you saw that among the testimonies. Yes. Donc au Congo, on a vu une femme hein, qui n'avait pas expérimenté sa période pendant longtemps. She was in that conference. Elle était dans la conférence. And then she just believed that if she stands by me and takes a photograph, her period will come. Elle se dit que si elle se tient à côté de notre pasteur et prend la photo, la période revient normale. She came and took photograph with me. Elle est venue, elle a pris photo. And her period started running. Et voyez, elle a commencé à expérimenter ça. Alléluia. Hallelujah. Glory. C'était vraiment incroyable. You know, our God is wonderful, isn't notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. We bless the name of the Lord. Nous bénissons le nom du Seigneur. And I want to thank all of you who have, you know, all of you, you prayed, you gave, you know, whether you prayed, whether you gave, whatever the miracles that happened during the conferences have been credited into your account. Oui, que pour vous tous qui avez prié, vous avez soutenu financièrement. Tous les miracles que nous avons eus ont été enregistrés en votre nom. Because it's not enough to just give. Et ce n'est pas seulement suffisant de donner. If people don't pray, lorsque les gens ne prient pas. You know what I mean? Vous savez so, de quoi je parle. Whether you gave or you prayed, in the eyes of God, you were equally important. Voilà, que vous priez ou vous donnez, aux yeux de Dieu, vous êtes tous importants. And the miracles will be credited into your account. Et les miracles seront enregistrés en vos noms. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Well done. So today, I want to, you know, we're still talking about the laws of the kingdom. Voilà, nous sommes encore sur les lois du royaume. And on Sunday, I'll continue with the laws of prosperity. Alors, le dimanche, je poursuis la loi des prospérités. The reason why I don't want to stagger that between Sunday and Thursday because prosperity is very important. La raison pour laquelle je ne veux pas commencer ici et puis terminer là-bas, c'est que la prospérité est importante. I've always said something, et j'ai toujours dit quelque that chose. There are two things that man is running after. Il y a deux choses que l'homme poursuit. There are two things that everybody on earth somehow desires. Oui, il y a quelque chose que deux choses que tout le monde, d'une manière ou l'autre, désire. And every other thing we do, if you look well, are tied to those two desires. Et tout ce que nous faisons, si vous regardez bien, sont liés à ces deux désirs. The first one is good health. La première des choses, c'est la bonne santé. You know, the reason why people desire good health, la raison pour laquelle les gens désirent la bonne santé, it's not just so they'll be healthy. C'est pas parce qu'ils veulent seulement être en bonne santé. A lot of things are tied to it. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à somewhere cela. They are looking at long life. Et certains cherchent la longévité. You see what I mean? Vous savez so de quoi je people parle. Want to be healthy. Les gens veulent être en bonne santé. Because they are looking at long life. Parce qu'ils voient la longévité. They are looking at even conserving money and not spending money going from one hospital to another. Oui, les gens veulent épargner de l'argent, ils ne veulent pas aller d'un hôpital à l'autre. And then the second thing that people desire are looking for, et la deuxième chose que les gens désirent ou cherchent, is prosperity. C'est la prospérité. The reason why you have a job, la raison pour laquelle vous avez un travail, is so you can have money. C'est pour avoir de l'argent. The reason why you are looking for a business to do, la raison pour laquelle vous cherchez un business, is so you can have money. C'est pour avoir de l'argent. The reason why you wake up in the morning and go around and look for something to do, a career, a trade, you're believing God for ideas, you want to invent something. You know, at the end of the day, apart from the fact that yes, you want to exercise yourself, you want to be a blessing, but at the end of the day, you want financial rewards. Oui, la raison pour laquelle on cherche du travail, on veut bâtir une carrière, on cherche à inventer quelque chose, c'est parce que inventer quelque chose, c'est parce qu'on veut avoir une récompense. So these two things are very important. Alors ces deux choses sont très importantes. Very important. Très importantes. To man. À l'homme. That's why the Bible says that when Jesus, you know, at the onset of his ministry. La Bible dit qu'à l'entame du ministère de Jésus. In fact, it seems to me that was the first sermon he preached. Je pense que il me semble que c'est le premier message qu'il a prêché. Where he quoted Isaiah chapter 60, that the Spirit, Isaiah 61, that the Spirit of God is upon me,
For he has anointed me to preach the gospel to the poor. Oui, là où il a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui et qu'il a été oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. So the first thing that the Spirit of God anointed Jesus Christ to do, the first group of people that Jesus was anointed to take the gospel to were who? The poor. Donc les premières personnes à qui Jésus a transmis le message de l'Évangile, c'était les pauvres. You know, your prosperity must be so important to God. Donc votre prospérité doit être si importante à Dieu. It is one of the exchanges that God made on the cross of Calvary. Jusqu'au point où ceci soit l'un des échanges que Jésus a fait sur la croix. There were many exchanges. Il y avait plusieurs échanges. Jesus took the curse. Jésus a pris la malédiction. He gave us the blessing. Il nous a donné la bénédiction. He took the death. Il a pris la mort. Eternal death. La mort éternelle. He gave us eternal life. Il nous a donné la vie éternelle. He took our poverty. Il a pris notre pauvreté. He gave us riches. Il nous a donné la richesse. So it must be important to God. Ceci doit être important à Dieu. You know, so that's why I want to continue that message on Sunday so that many more people can get it. Et c'est pour cela que je poursuivre ce message le dimanche afin que tout le monde reçoive cela. Hallelujah. But Amen. Today I want to speak on a law that people don't pay attention to. Alors aujourd'hui je vais me pencher sur une loi à laquelle les gens ne prêtent pas attention. It's a kingdom principle. C'est un principe du royaume. That at the end of the day. Qui pour lequel à la fin ou en fin de compte. So vital. Ceci est si crucial, and yet we don't pay attention to it. Alors qu'on ne prête pas attention à cela. And what principle is it? Et de quoi il s'agit? The principle of relationship, the law of relationship. C'est le principe ou la loi de relation. The law of relationship. C'est une loi de relation. An angel cannot give you a job. Oui, un ange ne peut pas vous trouver un travail. After you've prayed, après avoir prié, and heaven wants to intervene, et le ciel veut intervenir, it would happen to somebody. Cela doit se passer à travers quelqu'un. Am I lying? Est-ce que je mens? It would have to happen to ça doit être se faire par le biais d'une personne. And the extent to which the person can do it. Alors, l'étendue à laquelle la personne fera ça will depend on your relationship with the person. Va dépendre de la relation qu'on a avec la personne. So heaven, alors le ciel, doesn't interfere in the affairs of people. N'intervient pas dans les affaires des hommes. Without relationship. Sans une relation. And yet we don't teach on relationships. Alors qu'on n'enseigne pas sur les relations. When we do. Et lorsqu'on fait, we're teaching on one part of relationship, which is usually the man and the woman, especially when we're talking about teenagers and all of that. You know what I'm talking about? Oui, on parle seulement de l'aspect homme et femme, et on parle aussi des adolescents. But they are principles, kingdom principles for building relationships. Il y a les principes du royaume qui consistent à bâtir les relations. And those principles, they are cross-board. Et ces voyez, principes sont assez vastes. Whether in your marriage. Que vous soyez marié, in your ministry, vous soyez dans le ministère, or in the marketplace, ou dans le marché. These principles apply everywhere. Oui, ces principes s'appliquent partout. And so today we're looking at the law of relationships. Aujourd'hui, nous examinons la loi des relations. You know, many, I believe, and I'm talking to myself. Et ici, je, relationships I didn't handle well. Il y avait des relations que je n'avais pas bien gérées. And as I look back, et au moment où je pense those à cela, relationships were actually answers to prayers for me. Et ces relations sont en réalité des exaucements à nos prières. I prayed. J'ai prié. God brought some people into my life. Dieu a amené certaines personnes dans ma vie. I didn't recognize je n'ai pas reconnu cela. And so I didn't invest in that relationship. C'est pour cela que je n'ai pas investi dans ces and relations. Then the relationship disappeared. Et ces relations ont disparu. And then I look back, et quand je pense and I à said, ça, wait a minute. J'ai dit, mais attendez un that peu. Relationship cette relation was an answer c'était une réponse to my prayer. À ma prière. Was an answer c'était l'exaucement to my prayer. À ma prière. Amen. Amen. So that's why I'm talking to myself. Et donc je m'adresse à moi-même. To comprendre. Your country is a good place. Hallelujah. Your country is a good place. Votre pays c'est un bon pays. Hallelujah. Amen. When you started singing that song, lorsqu'il a commencé à chanter, that is the most popular song in his country. C'est la chanson la plus populaire. Congo DR. En RDC. Hallelujah. Amen. Wonderful people. Ils sont merveilleux. Wonderful people. Ils sont merveilleux. Hallelujah. Amen. So I want to talk about the law of relationship. Je vais parler de la relation d'amour. What does the law say? Cette loi de relation. The law of relationship says. La loi dit. The law says cette loi dit that the outcomes of your life, que les résultats de votre vie, the outcomes of my life, les résultats de ma vie, to a large extent, d'une manière ou l'autre, depend on the quality of our relationships. Dépendent de nos qualités de relations.
The outcomes of our lives, les résultats de nos vies, to a large extent, d'une manière ou l'autre, depend on the quality of our relationships. Dépendent de nos qualités de relations. Hallelujah. Amen. Relationships are destiny agents. Oui, les relations sont les agents du destin. They are destiny agents. C'est les agents du destin. Why do we say that? Et pourquoi je dis ça? Because God has a great destiny for everybody here. Parce que Dieu a un grand destin pour tout le monde ici. There's no child of God with a little destiny. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui a un petit destin. I've never ceased to say that Christianity is a level ground for everybody. Oui, je n'ai pas cessé de dire que le christianisme c'est un terrain commun pour tout le monde. Whether you're the child of Bill Gates, que vous soyez enfant de Bill Gates, or you're the child of one farmer in the village, ou bien enfant d'un cultivateur dans un village, the moment both of you come to Jesus Christ, le moment où vous deux vous venez à Jésus, the opportunities in Christ are equal. Les opportunités en Christ sont égales. It is what you do from there, c'est ce que vous faites à partir de ce moment-là, that determines where you go from there, qui détermine là où vous allez arriver. Est-ce que vous m'écoutez? In Christ, en Christ, Bill Gates' child, l'enfant de Bill Gates, does not have any advantage over you whose father is a farmer in the village. Il n'a pas plus d'avantage sur vous dont le père est un cultivateur au village. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? So what happens when we come to Christ? Ce qui se passe lorsqu'on vient à Christ. And where we go from there. Et là où nous allons aller. Depends on what we do with the laws of the kingdom of God. Tout cela dépend de ce que nous faisons avec les lois du royaume. Are you following me? Est-ce que vous m'écoutez? Praise God. Alléluia. So every child of God has a great destiny. Tout enfant de Dieu a un grand destin. And a lot of times, et la plupart du temps, it is through the instrumentality of people. C'est à travers le biais des êtres humains. It is through the instrumentality of your relationship c'est with people. Par le biais de cette relation avec les hommes et les femmes. That God will take you from one phase of your destiny to another. Que Dieu nous amène d'une phase du destin vers une autre phase. Even when the Holy Ghost is leading you, même lorsque le Saint-Esprit vous conduit, He will lead you to people. Il vous conduit vers les gens. He will lead you to places. Il vous conduit vers les lieux. And those places are manned by people. Et ces lieux-là sont gérés par les hommes. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? There is no place you will, no day you will walk into an office. Il y a aucun jour où vous allez dans un bureau. And an angel will give you a contract letter. Et que un ange va vous offrir une lettre de contrat. Won't you run? Est-ce que vous n'allez pas fuir? It's a human being. C'est un être humain. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? So people's skills are very important. Oui, les gens et leurs talents sont importants. Because relationships are destiny agents. Parce que les relations, c'est les agents du destin. Yes, destiny agents. C'est les agents du destin. They define the outcomes of our lives. Ils définissent les fins ou la fin de nos vies. You know, we are products of our relationships. Nous sommes produits de nos relations. And there's always a sheep. Et il y a toujours un bateau, entre guillemets. You've heard me say that before. Oui, il y a un bateau. Est-ce que there's vous m'avez entendu? Always a ship. Il y a toujours un bateau, entre guillemets. Waiting to either take you on the path of your destiny. Qui attend à vous amener sur le chemin du destin. Or remove you from the path of your destiny. Ou bien vous retire de ce chemin. A ship, always a ship. Il y a toujours un bateau. Either a relationship. Que ce soit une relation. Either a relationship. Que ce soit une relation. A partnership. Un partenariat. A partnership. Un partenariat. A friendship. Une amitié. A friendship. Une amitié, an acquaintanceship, une convivialité, an acquaintanceship, une convivialité, a mentorship, ou un mentorat, a leadership, un leadership, a courtship, une fiançaille, an apprenticeship, ou un apprentissage, a fellowship, une communion, a headship, ou bien un leadership. Can you see? Est-ce que vous voyez ça? Or a sonship. Ou bien l'état de fils. There's always a ship. Il y a toujours un bateau. You see, all of these are different forms of relationships. Ça, c'est les différentes formes de relations. That's why I said there's always a ship. Donc, il y a toujours un bateau, entre guillemets, waiting to either take you on the path of your destiny, qui attend à vous amener sur le chemin du destin, waiting to either make your life better, qui attend à rendre votre vie mieux, je veux or dire, remove you from the path of destiny, ou bien vous retirer de ce chemin du destin, or make your life miserable, ou rendre votre vie misérable, whether we like it or not, qu'on le veuille ou pas, to a large extent, d'une manière ou l'autre, where you and I are today, là où nous sommes aujourd'hui, to a large extent, d'une manière ou l'autre, had to do with the relationship we a trait à notre relation que nous avons eue. And where you and I will be tomorrow, et là où vous et moi nous serons dans l'avenir, to a large extent, d'une manière ou l'autre, will depend on the relationships we form today. Va dépendre de la relation que nous bâtissons aujourd'hui. Will depend on the partnerships, cela va dépendre du partenariat, de l'amitié, the acquaintanceships, de la convivialité, the mentorships, du mentorat, the leaderships, du leadership, the courtships, de la fiançaille, the apprenticeships, de l'apprentissage, the fellowships, de la communion, the headships, ou bien du the leadership, sonships, ou de l'état de fils. That we subject ourselves. Auquel nous nous soumettons. I hope you're following me. J'espère que vous suivez. I'm trying to go as gentle
as I can, amen. J'essaie d'aller aussi lentement que possible. So we are products of our relationships. Nous sommes produits de nos relations. And God intervenes in the affairs of men through relationships. Et Dieu intervient dans les affaires des hommes à travers les relations. Let me give you an example with Abraham, Genesis 14:11-13. Je vais donner l'exemple d'Abraham dans Genèse 14. 13, 11 à 13. Genesis 14:11-13. Give me the New Living Translation. Genèse New Living. Look 14. At it. Now let me give you the background. Et je vous donne l'historique. Abraham had built New Living. Had built a relationship with three men called Mamre, Eshcol, and Anna. Voilà. Abraham, il a bâti une relation avec trois hommes qui sont Mamre, Eshcol et Anna. Over the years. Pendant des années. They had built this relationship. Ils ont bâti cette relation. He had invested in the relationship. Il a investi dans ces relations. And so he had a relationship with these people. Il a de relations avec ces gens. And see what the relationship did for him. Voici ce que la relation a fait pour lui. The Bible says that one day, la Bible dit un jour, Abraham needed to go to battle to rescue Lot, his brother. Abraham devait aller au combat pour sauver son neveu Lot. Or Lot, his nephew. Son neveu Net. Abraham had prayed to God. Donc, il a prié à Dieu. And God was going to answer his prayer. Et Dieu devrait exaucer sa prière. Abraham knew that on his own he couldn't go to the battle alone. Voilà, il savait que seul il ne pouvait pas aller à ce combat. After he prayed to God. Après avoir prié à Dieu. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? God raised these three people. Dieu a élevé ces trois hommes. That he had built a relationship. Cet homme avec qui il a bâti de relations. Each of them came with their forces. Chacun d'entre eux est venu avec came ses forces. Their strength. Il a donné une force as à Abraham. Answers to Abraham's prayer. Comme réponse à ses prières. To rescue Lot. C'est pour sauver Lot. Now, if Abraham hadn't invested in that relationship, alors, si Abraham n'avait pas investi dans ces relations, he would have been alone in time of trouble. Il allait être seul en ce moment de défi. Il aurait dû chercher le secours et il n'allait pas trouver. So that's what we say that when we pray, c'est pour cela que lorsque nous prions, very often, le plus souvent, God will use relationships to intervene. Dieu utilise une relation pour intervenir. Are you following me? Est-ce que vous suivez? God will use relationships to intervene. Dieu va utiliser des relations. So look at it. He said the victorious invaders then plundered Sodom and Gomorrah and headed for home, taking with them all the spoils of war and the food supplies. All the spoils of war and the food supplies. They also captured Lot, Abraham's nephew, who lived in Sodom, and carried off everything he owned. Verse 13. But one of Lot's men escaped and reported everything to Abraham. Abraham, his name was still Abraham then, the Hebrew, who was living near the oak grove, belonging to Mamre, the Amorite. Mamre and his relatives, Eshcol and Anna, were Abraham's allies. Abraham had built a relationship with these people. So as you read down, you would see how these people went with Abraham. Voilà, donc ces hommes-là, et Abraham a bâti des relations avec eux. Et si on continue à lire, on voit comment ils ont suivi Abraham. You can read it in French. Ok, il dit ici, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Verset 12, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Verset 13, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Abraham, alliance avec Abraham. He had built friendship with them. Voilà, il a bâti de relations avec lui. When you look at the difference between alliance, allied, being allied, and just building friendship, an alliance is stronger than friendship. Oui, on voit que l'alliance elle est plus forte que même une relation, une amitié. So Abraham had built an alliance with these people. Oui, Abraham a bâti une alliance avec ces gens. They were not Hebrews. Ils n'étaient pas des Hébreux. They were Amorites. Ils étaient des Amoréens. But somehow Abraham had built a relationship mais with them. D'une manière ou l'autre, il a bâti cette relation avec that eux. Became useful in the time of need. Et cela est devenu utile au moment de besoin. So God intervenes through relationships. Dieu intervient à travers les relations. That's why we have to begin to pay attention to relationships. C'est pour cela qu'on doit prêter attention aux relations. Many Christians do not put value on relationships. Beaucoup de chrétiens n'accordent pas de valeur aux relations. They do not understand how important relationships are. Ils ne savent pas combien de fois les relations sont importantes. And you see, the truth is, beautiful things don't always come in wonderful packages. Et les choses belles ne viennent pas généralement dans les beaux paquets. So sometimes you pray.
quelle fois on prie, God sends the answer. Dieu envoie l'exaucement in the form of a relationship for you to invest sous forme de relation à laquelle on doit investir. And because it doesn't look like the answer, et comme cela ne ressemble pas à la relation, you despise it, alors on dédaigne you ça, ignore it, on ignore ça, you are indifferent to on it, est indifférent envers and la you chose, lose that moment, et on perd ce moment. You lose out on what God wants to do. On rate ce que Dieu veut faire. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So it's important that we learn the kingdom principles of relationships. Il est important d'apprendre les principes du royaume qui ont trait à la relation. No man is an island to themselves. Aucun homme n'est qu'une île. We are created to exist, to be sustained, and to succeed through kingdom-oriented relationships. Nous sommes appelés à réussir et être pérennisés à travers les relations axées sur les principes du royaume. No man is an island to themselves. Aucune personne n'est qu'une idole. We are created to be sustained. Nous sommes créés pour être pérennisés. To exist. D'exister. To succeed. De réussir. As we build kingdom relationships. Au moment où nous bâtissons de relations. That's the way God ordained it. Et c'est comme ça que Dieu l'a planifié. Like I told you, relationships are vehicles of destiny. Et comme je le disais, les relations sont des véhicules du destin. To a large extent, alors, d'une manière how far you can go in your destiny, oui, jusqu'où on va arriver dans son destin, on the kind of relationships you build. Dépend de la relation qu'on bâtit. Now, when you read the Bible, lorsqu'on lit la Bible, every kingdom relationship is meant to produce four things. Toute relation du royaume doit produire quatre choses. If you and I begin to build our relationships according to the principles of a kingdom, we will see those principles. The relationship will produce four things for us. Alors, si vous et moi, nous bâtissons nos relations selon les principes du royaume, alors ces relations vont produire quatre choses. And no matter what your relationship is, et quelle que soit la nature de la relation, whether it's a marriage relationship, que ce soit une relation conjugale, a ministry relationship, ou bien dans le ministère, or a relationship in the marketplace, ou une relation dans le marché public, that talks about business relationships, cela a trait aux affaires, career relationships, les relations, les carrières, no matter what your relationship is, quelle que soit la nature de la there relation, are four things you must look out for. Il y a quatre choses qu'on doit chercher. If the relationship is not producing those four things, et si la relation ne produit pas ces quatre choses, it means that the relationship is not being built on kingdom principles. Ça veut dire que cette relation n'est pas bâtie sur les principes du royaume. You know, there are always two principles to run your life and my life. Il y a deux principes qui dirigent nos vies et ma we vie. We either run our lives by the kingdom laws. Soit on gère sa vie par les lois du royaume. Or we run our lives by the secular laws, isn't it? Ou bien on gère la vie par les lois circulaires. If you and I, if we are building our relationships, et si vous et moi nous bâtissons notre relation, based on the principles of the kingdom that we would see, sur la base de ces principes du royaume que nous allons voir, then the relationship must produce four things. Alors cette relation doit produire quatre choses. So from now in your relationships, whether in marriage or business or ministry, you must start to look out for those four things. Alors pour désormais, que ce soit dans votre ministère, dans votre mariage ou dans vos affaires, vous devez chercher ces quatre choses. If they are not there, et si ces choses ne sont pas là, alors on a besoin de réexaminer ces relations qu'on bâtit. What are these four things? Et quelles sont ces quatre choses? 1 Thessalonians 5, 11 to 15. 1 Thessaloniciens 5, 11 à 15. 1 Thessalonians 5, 11 to 15. 1 Thessaloniciens 5, 11 à 15. Let's look at these four things that you must look out for in your relationships. Examinons ces quatre choses que nous devons chercher à voir dans nos relations. Because they tell whether we're building our relationships right, on the right kingdom, on the right principles or not. Parce que ces choses disent, est-ce que nous bâtissons notre relation sur les bons principes ou pas? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. You say, comfort, wherefore comfort yourselves together, edify one another, even also as you do. So he's telling us what relationship should produce. Let's go to verse 12. And we beseech you, brethren, to know them who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Let's go on. And admonish you, verse and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace amongst yourselves. Verse 14. Now we exhort you, brethren, warn those that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient towards all men. Verse 15. See that nobody renders evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both amongst yourself and amongst all men. Now you read, and then we look at the four principles. We put them together, and there are four principles here. Four things that every kingdom relationship should produce for those in the relationship. Amen. Voilà. Donc nous lisons aussi en français 1 Thessaloniciens 5 verset 11. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Verset 12. Nous vous prions, frères,
d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, apportez et supportez les faibles, usez de patience envers tous. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. So here God begins to reveal, you know, things that we should look out for if our relationships are being built on kingdom principles. Alors ici, Dieu révèle les choses qu'on doit chercher à voir si nos relations sont basées sur les principes du royaume. And the first thing we see here, et la première des choses qu'on voit ici, if our relationships are being run on the laws of the kingdom, the first thing it should produce is comfort. Alors, si notre relation est bâtie selon les principes de Dieu, la première des choses que nous devons avoir ici, c'est la consolation. Every kingdom relationship must produce comfort. Alors, toute relation du royaume doit produire la consolation. And the Greek word for comfort is parakleo. Et le mot grec pour la consolation, c'est parakleo. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means strength. Ça veut dire force. It means encouragement. Ça veut dire encouragement. It means strength. Ça veut dire force. It means encouragement. Ça veut dire aussi encouragement. So when God says comfort one another in this relationship. Alors, lorsque Dieu dit consoler les uns les autres dans cette relation. God is saying to us. Et Dieu nous dit that if we are building our relationships according to kingdom laws, our relationships will produce strength. Our relationships will produce encouragement. Alors, si nous bâtissons en réalité nos relations sur les principes du royaume, cela doit produire la force et l'encouragement. If you are in a relationship that weakens you all the time, si vous êtes dans une relation qui vous affaiblit à tout moment, if you are in a relationship that discourages you all the time, si vous êtes dans une relation qui vous décourage à tout moment, then you need to sit back. Alors, vous devez reculer. Alors, vous devez vérifier ces principes qui dirigent cette relation. You know, sometimes people are in relationships that are toxic. Quelquefois, les gens sont dans les relations qui sont toxiques. And they know that they are not getting strength from those relationships. Et ils savent qu'ils ne puisent pas de force dans cette relation. They know they are not getting encouragement from those relationships. Et ils savent qu'ils ne puissent pas l'encouragement dans cette relation. Whether it is physical strength, que ce soit une force physique, emotional strength, une force émotionnelle, spiritual strength, une force spirituelle. They know they are not getting all of that from that relationship. Ils savent qu'ils ne trouvent rien dans cette relation. But they somehow they feel they've invested so much. Et ils sentent qu'ils ont assez investi. They feel they've invested so much. Ils sentent qu'ils ont assez investi. They don't have the strength to review anything. Qu'ils n'ont pas de la force pour réexaminer quelque chose. Many people are in toxic relationships. Beaucoup de personnes sont dans des relations toxiques. Business relationships. Des relations d'affaires. All kinds of relationships. Toutes sortes de relations. Because they are afraid. They are afraid to even ask questions. Parce qu'ils ont même peur de poser des questions. They are afraid to even take certain decisions. Ils ont même peur de prendre certaines décisions. Because they feel they've put in so much. Parce qu'ils sentent qu'ils ont investi so beaucoup. After all the years I put into this thing, et il dit, mais après plusieurs années d'investissement, vous me dites d'aller commencer à nouveau. So they just stay there. Alors, ils restent là. They just stay there. Ils demeurent là. Even when they know they are not getting comfort, même lorsqu'ils savent qu'il n'y a pas de consolation, they are not getting strength, il n'y a pas de force, they are not getting encouragement, ils ne trouvent pas d'encouragement from those relationships. De ces relations. Amen. Amen. And you see, when we talk about getting these things, getting comfort from a relationship, et lorsqu'on parle d'avoir la consolation dans ces relations, getting strength and encouragement from a relationship, d'avoir l'encouragement et la force dans ces relations, I have something written here. J'ai quelque chose that your strength ici. And your encouragement, votre force et votre encouragement, it comes from strengthening and encouraging other people. Viennent du point de vue de vos encouragements et de force que vous donnez aux autres. We're saying that your strength, the strength you get, la force que tu as. The encouragement you get, l'encouragement que tu as in your relationship, dans ta relation, will depend on the encouragement you give, ça dépend de l'encouragement que tu donnes, and the strength you give, et la force que tu donnes aussi. In other words, the strength and encouragement that you and I will get in our relationships, c'est-à-dire que la force et l'encouragement que vous et moi nous pouvons puiser des relations, will come from the strength and the encouragement that we give to other people, viennent de la force et l'encouragement que nous donnons aux autres personnes. You know, that's how the world works. Voilà comment cela marche. You only increase in something you're willing to give out. On est prêt, on doit expérimenter la croissance sur la chose pour laquelle on est prêt à investir. You cannot increase in anything you're not willing to give out. On ne peut pas avoir de croissance dans la chose pour laquelle on n'est pas prêt. You cannot increase in anything you're not willing to share. On n'est pas censé jouir de la croissance lorsqu'on n'est pas prêt à partager. It's a kingdom principle for increase. Il y a un principe du royaume lorsqu'il s'agit de. He that scattereth and yet does what?
increases. Donc il dit, celui-là qui éparpille, c'est celui-là qui connaît la croissance. Unless he that withhold more than it's necessary, but it tends to less, isn't it? Donc celui-là qui a l'habitude de retenir ce qu'il a tend vers le moindre. So people who draw strength and encouragement in their relationships are those who are willing to give strength and encouragement to other people. Ceux qui puisent la force et l'encouragement, c'est ceux qui sont prêts à donner la force et l'encouragement aux autres. That's why I've always said something and I'm talking to myself. Et c'est pour cela que j'ai dit quelque chose et je m'adresse now à moi-même. The worst thing you can do to yourself in this kingdom is to put yourself in a position where you never give anything. You only take. Je dis que la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est se positionner pour recevoir et ne rien donner. At every point in time, d'un moment à l'autre, you must look for something to give. On doit toujours chercher quelque chose à donner. It doesn't have to be money. We're not talking about money. Ça peut ne pas être l'argent. On ne parle pas de l'argent ici. You understand? You must look for something to give. On doit chercher quelque chose qu'il faut donner. Because you only increase in what you give. Parce qu'on ne peut augmenter ou avoir de croissance dans la chose qu'on donne. You increase in what you give. On connaît la croissance dans la chose qu'on donne. Even in ministry, même dans le ministère. The more you look for opportunities to impact people with the word. Plus on cherche l'opportunité pour impacter la vie des gens. The more you grow in the revelation of the word. Plus on reçoit la révélation de la parole. Pastors, you know what I'm talking about. Pasteurs, vous savez de quoi je parle. The more you grow in the revelation oui, of the word. Plus on reçoit la révélation de la parole. Praise God. Hallelujah. So our strength and our encouragement in our relationships come from the strength and encouragement that we give out. Donc notre force et notre encouragement viennent de cette force et l'encouragement qu'on donne aux autres. We're talking about kingdom relationships. Et là on parle des relations du royaume. C'est la chose à laquelle on ne prête pas attention. Mais notre relation détermine jusqu'où on peut aller dans ce royaume. Parce qu'un ange ne peut pas nous donner cette lettre de contrat. C'est un être humain qui le fera. Même après avoir prié et que Dieu veut intervenir, il fait cela à travers les relations. Many people have missed opportunities. Beaucoup de personnes ont raté d'opportunités that God gave them que Dieu leur a donné because they didn't handle relationships well. Parce qu'ils n'ont pas bien géré les relations. So we said that every kingdom relationship must produce number one, comfort. On dit que toute relation du royaume doit produire le confort. We've seen that. Ou la consolation. Secondly, every kingdom relationship must produce edification. Et deuxièmement, cette relation doit produire l'édification. We saw that. Look at it. It's a comfort yourself together. Number one, number two, edify one another. So every kingdom relationship must produce what? Edification. Donc ici, la Bible parle d'exhorter les uns les autres et édifier les uns les autres. Now the root word from which edification came. La racine du mot de édification. It means four things. Ça signifie quatre choses. When we talk about edification, the root word. Lorsqu'on parle d'édification, la racine de ce it mot. Means four things. Veut dire quatre choses. Number one, it means reconstruction. Ça veut dire reconstruction. So what is God saying? Qu'est-ce que Dieu dit? That if we are running our relationship based on kingdom principles. Si nous gérons notre relation sur la base des principes du our royaume. Our relationship should reconstruct us. Notre relation doit nous reconstruire. You know what I'm talking about. Vous savez de quoi je parle. You can't be in a relationship. On ne peut pas être dans une relation. That doesn't add value to your life. Et on n'a pas de valeur. If the relationship is running by kingdom principles, si cette relation est dirigée par les principes du royaume, it will produce a reconstruction. Ceci doit produire une reconstruction dans la tête. Any relationship that leaves you the way you are, toute relation qui nous abandonne ainsi, year in, year out, chaque année, has to be reviewed. Doit être réexaminée. Are you following me? Est-ce que vous m'écoutez? There must be a reconstruction. On doit avoir une reconstruction going on qui se passe in your mind, dans la pensée, in your attitude, dans l'attitude, in your ambitions, dans les visions. Amen. Amen. So to edify means to reconstruct. It also means to remold. Donc édifier veut dire aussi remodeler. To remold, remodeling, isn't it? Oui, remodeler. It means to remold. C'est remodeler. So when God says that the relationships, if we are running our relationships, yes, whether in marriage, whether in the workplace, in the marketplace, whether in ministry, if we are running our relationship on kingdom principles, our relationships must begin to remold us. Alors, si nos relations sont basées sur les principes du royaume, que ce soit dans le marché ou dans les affaires, les ministères, ceci doit nous remodeler. You know how to remold something. Vous savez comment on remodèle quelque chose. Tu comprends? You mold it. Oui, on façonne la chose. You don't like it. On n'aime pas ça. You remold it on remodèle. Until it becomes what you want. Jusqu'à ce que la chose prenne la forme qu'on veut.
That is why, as a wise man and woman, c'est pour cela qu'en tant qu'un homme, une femme sage, you must learn to value relationships that challenge you. On doit valoriser les relations qui nous mettent en défi. Don't run away from relationships that challenge you. On ne doit pas fuir les relations qui nous défient. You know, many people prefer environments that don't challenge them. Et beaucoup de personnes préfèrent un environnement qui ne les met pas en épreuve. They like to be in a relationship where nobody will make a demand that would make them stretch themselves a little. Et ils veulent pas être dans une relation où on exige que cela puisse aller un peu plus loin. If they get into a relationship that challenges them, they start to complain. Et s'ils sont dans une relation où on les met en défi, ils se plaignent. They say, you say you love me the way I am. Ils disent, mais tu dis tu m'aimes, tu vas m'aimer de la façon que je suis. I don't mind the way you are now. Je n'ai pas de problème but là où I tu es. I can't leave you the way you are now. Mais je ne peux pas te laisser tel que tu es. You understand? Yeah, vous comprenez? You can come the way you are. Vous pouvez venir tel que vous êtes. But you are not allowed to remain the way you are. Vous n'êtes pas autorisé de rester ou demeurer tel que vous êtes. So you must value relationships that challenge you. Vous devez valoriser une relation qui vous met à l'épreuve. Any relationship that doesn't challenge you. Toute relation qui ne vous défie pas. Is not to your good. N'est pas pour votre bien. You know, I used to have problems with my wife. Et j'avais des problèmes avec mon épouse. I told a few of those stories. Et je vous ai raconté quelques histoires. Starting from the way I used to clean my teeth. Oui, en commençant par ma façon de brosser ma bouche. I grew up in the dance. J'ai vécu, disons, dans la fosse. I was literally almost like a street boy. Thank God that I even managed to go to school. Voilà, j'étais comme un débrouillard de la rue. Dieu merci, j'étais à l'école. And made very good grade. Et j'avais aussi bien passé mon examen. But there were things I didn't know. Il y avait des choses que je ne connaissais pas. I didn't know that you brush your teeth like this. Et je ne savais pas qu'on doit aller de haut vers le bas so lorsqu'on I brosse. Do like, I do like this. Moi, je fais comme ça. So when I met my wife, lorsque j'ai rencontré mon épouse and we married, et on s'est mariés, I had issues. J'avais des problèmes. When I start like this, lorsque je vais comme ça, she says no. Elle dit non. Like this. C'est du haut vers le bas. Then I will do like this. Et je vais faire comme ça. Then after 1 week, après une semaine, I will go back je like reviens this. Encore sur l'ancienne and she habitude. Will say no. Elle dit non. Like this. Il faut aller and du haut vers le bas. You're putting me under too much Il dit, pressure. Mais tu me mets sous les pressions. You're putting me under too much pressure. Tu me mets sous plusieurs pressions. What was she doing? Qu'est-ce qu'elle essaie de she faire? Was challenging Elle me. Essaie de me défier. To add value to pour my que life. J'ajoute une valeur à ma vie to get things done rightly. Afin que les choses soient bien faites. You know, another thing that I used to do before I met my wife, I ate my rice with spoon. Je mangeais du riz avec la cuillère. Everybody knows that spoon is easier to eat rice. Et tout le monde sait que c'est facile d'utiliser la cuillère pour manger to le riz. Vous comprenez? Because when you eat rice with fork, if you're not careful, some of the grains will be falling out. Voilà, si tu utilises la fourchette, si tu fais pas attention, certains grains vont tomber. The first day my wife saw me. Le premier jour, elle m'a vu. So now this kind of man I married. Elle dit c'est ce genre d'homme là que j'ai marié. She said no. Elle dit non. That one was a fight. Ça c'était un combat. Say you don't eat your rice with spoon, you eat your rice with fork. I said but it's only me and you in this house. Elle dit tu ne manges pas du riz avec la cuillère mais avec la fourchette. J'ai dit mais c'est entre nous deux said, ici. She said but one day you will go out. J'ai dit mais un jour tu vas sortir. Somebody will invite you for dinner. Quelqu'un va t'inviter pour un dîner. Or somebody will invite you for an occasion. Quelqu'un va t'inviter pour une and opportunité. And they will put fork and they will put knife. On va mettre une fourchette. Et un, disons un couteau. And you'll be looking for spoon. Et tu vas chercher une cuillère. And you'll be calling the waiter to bring spoon for et you. Tu vas appeler le serveur qu'on te donne une cuillère. You see what I'm talking Vous about? Savez de quoi je parle? She was trying to add value to my life. Elle essaie d'ajouter une valeur à ma vie. She wasn't ready to leave me the way I was. Elle n'était pas prête à me laisser tel que j'étais. Even though I was complaining. Même si je me plaignais. So any relationship that doesn't challenge you. Toute relation qui ne vous défie pas. To be a better version of yourself. D'être une meilleure version que vous êtes. You need to review it. Vous avez besoin d'examiner ça. Are you following me? Est-ce que vous suivez? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. So every kingdom relationship should produce edification. Alors toute relation du royaume doit produire l'édification. Edification means to reconstruct, to remold. Voilà, l'édification c'est reconstruire ou remodeler. It means to bring out the best in you. Ça veut dire faire sortir le meilleur de votre personne. Edification means to bring out the best in you. Faire sortir le meilleur de vous. To bring out the best in you. Faire sortir le meilleur de vous. Do you know that as you're seated here? Et savez-vous que étant assis ici? There are treasures you're carrying. Il y a les trésors que vous portez. You have treasures that you can't imagine. Il y a des trésors que vous possédez que vous ne pouvez pas imaginer. I told you. Et je vous ai dit. That Jesus Christ is a level ground for everybody. Jésus-Christ, il est le terrain commun pour tout le monde. Every single
everything you need to succeed in this world is already inside you. Toute chose dont vous avez besoin pour réussir dans ce monde est déjà en vous. Sometimes it will take your relationships. Quelquefois, il vous faut une relation. To identify some things in you. Pour identifier des choses en vous. To put you under pressure. Pour vous mettre sous la pression. So that those wonderful things inside you. Afin que ces choses merveilleuses qui sont en vous. That God has put there. Que Dieu a déposé là. So that you can be a blessing to your world. Amen. Vous amène à être une bénédiction au monde. Can start to come out. Afin que ces choses se manifestent. People who leave you the way you are. Les gens qui vous laissent tel que vous êtes. They are not doing you any good. Ils ne vous font pas du bien. Somebody put it this way. Quelqu'un a dit ceci. That no matter how wonderful a cream is, cream, you know cream. Il dit quelle que soit la beauté de la crème. No matter how expensive a cream is in a plastic bottle. Oui, quel que soit le prix ou la beauté, n'est-ce pas, d'une crème. If you want that cream to come out, et si on veut que cette crème sorte de là, you must put pressure on the bottle. On doit appuyer, n'est-ce pas, la bouteille ou le conteneur. To comprendre. If you put pressure on the bottle, si on met la pression, that beautiful thing inside the bottle, cette chose qui est belle dans la bouteille, will come out. Va sortir. And smell nice. Et cela sent bon. And everybody will like it. Et tout le monde va aimer ça. That is what a kingdom relationship is meant to c'est do for ce you. Que la relation du royaume doit faire pour nous. It is meant to put you under pressure. Elle doit nous mettre sous une pression. So that the potentials you have inside, afin que les potentiels qui sont en nous, can come out. Vont sortir. But you see, human beings like the status quo. Oui, les êtres humains aiment le status quo. There is something in man that wants him to just leave things the way they are. Et il y a quelque chose en l'homme qui veut qu'il préfère les choses telles qu'elles sont. That will make him resist any external pressure to shift. Oui, ce qui l'amène à résister toute pression extérieure lorsqu'il s'agit de changer. And this is where the definition of the love that the world is giving us is dangerous. Oui, c'est pour cela que la définition de l'amour que le monde nous donne est dangereuse. Because one of the definitions of love that the world is giving to the church. Et l'une des définitions que le monde donne à l'église. Is that love leaves you the way you are. C'est que l'amour vous laisse tel que vous êtes. So when you begin to challenge people. Et lorsqu'on vous commence à défier les gens. To become the better version of themselves. Afin qu'ils deviennent les meilleures personnes. When you begin to challenge people. Lorsqu'on défie les gens. To make them better. Afin qu'ils deviennent mieux. To reconstruct them. Afin de les reconstruire. To remold. Les remodeler. They say you are not walking in love. Ils disent que vous marchez pas dans l'amour. That if you are walking in love. Que si vous marchez dans l'amour. You will leave me the way I am. Vous allez me laisser tel que je suis. What love leaves a person the way they are? Quel est cet amour qui laisse la personne telle qu'elle est? Does God leave you the way you are? Est-ce que Dieu vous laisse tel que vous êtes? Does He? Est-ce qu'il le fait? Does He leave me the way I am? Est-ce qu'il me laisse tel que je suis? No. Non. Praise God. Alléluia. So every kingdom relationship must produce edification, remodeling, remolding, reconstructing. We bring out the best in you and in me. Amen. Donc toute relation du royaume doit nous reconstruire, refaire sortir le meilleur de nous et nous remodeler. Ultimately, en fin de compte, talking about edification, s'agissant de l'édification, and reconstruction and remolding, la reconstruction et remodeler. Let me tell you the ultimate thing that every kingdom relationship should do for you and I. Je vais vous dire la chose la plus ultime que cette relation doit faire pour nous. Romans chapter 8 verse 28. Romains 8 28. Look at the ultimate thing that every kingdom relationship should do for you and I. Regardez la chose ultime que toute relation du royaume doit faire pour nous. Amen. Are you ready? Say, and we know. That all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Verse 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be what? Conformed to the image of his son. That he might become the firstborn amongst many brethren. You read and I explain. Voilà, il dit dans le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. So the ultimate aim of every kingdom relationship, donc, l'objectif final de toute relation du royaume, is to make you more and more like Jesus Christ. C'est faire de vous de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Did you get that? Est-ce que vous avez entendu the ça? The ultimate aim of every kingdom relationship. Oui, tout objectif final de la relation du royaume. If you are in a business relationship, si vous êtes dans une relation d'affaires, that wants to make you more like the devil, et qui vous amène à ressembler au diable. No matter how much is coming through it. Oui, quel que soit l'argent que vous recevez là. What do you do? Qu'est-ce que vous faites? You review it. Vous réexaminez ça. Are you listening to me? Est-ce que vous écoutez? If you are in a marriage relationship, si vous êtes dans une relation de mariage, that wants to make you more like the devil, et qui vous amène à ressembler au diable, you ask questions. Vous devez poser I'm des not questions. Saying run away. Je ne dis pas fuyez. There is a season to everything. Il y a une saison pour toutes choses.
There's a season to run. Oui, il y a une saison de fuir. Hein. If there's need. Et s'il y a besoin, si le besoin se fait sentir. Praise God. Hallelujah. You understand? So any relationship. Alors toute relation. That's driving you further away from the image of Jesus Christ. Qui vous éloigne de l'image de Jésus-Christ. Certainly is not being run according to kingdom principles. Certainement cette relation n'est pas gérée selon les principes du royaume. Because the ultimate aim of every relationship. Parce que l'objectif final de toute relation. Is to bring out the Jesus in you. C'est faire sortir la version de Jésus en vous. That's what it says here. Voilà ce que la Bible dit. Ici. That the everything that God did. Et tout ce que Dieu a fait. From salvation. Depuis le salut. To the empowerment of the Holy Ghost. Jusqu'à l'autonomisation du Saint-Esprit. To the blessings. Jusqu'à la bénédiction. Everything that God has done. Tout ce que Dieu a fait. And everything that God will do. Et tout ce que Dieu fera. The predestination. La prédestination. The ultimate predestination. La prédestination ultime. Is to help you become more like Jesus. C'est pour vous amener à être semblable à Jésus. So even when God gives you prosperity. Donc même si Dieu vous donne la prospérité. Even when God gives you influence. Même si Dieu vous donne l'influence. It is so you can become more like Jesus Christ. C'est pour que vous deveniez de plus en plus semblable à That's Jésus. Why any relationship C'est pour cela que toute that relation compromises it, qui vous compromet, you need to look at it. Alors vous devez examiner it ça. Is not being run by kingdom principles. Ceci n'est pas géré par les principes du royaume. Are you following me? Est-ce que vous suivez? Are you happy you came to church Êtes-vous tonight? Content d'être ici à l'église ce soir? Praise God. Louange à Dieu. Nous allons bientôt clôturer. I think I will even stop here today. Voilà, je vais m'arrêter ici ce soir. When we meet again, lorsqu'on va se revoir, we'll look at two other things that every kingdom relation will do. Nous allons examiner deux autres choses que la relation du royaume doit faire. And then we'll look at four keys. Et nous allons examiner aussi quatre clés for building this kind of kingdom relationship. Pour bâtir ce genre de relation. Are you glad you came to church today? Êtes-vous ravi d'être à l'église aujourd'hui? Célébrez Jésus dans la maison. Célébrez Jésus dans la maison. Hallelujah. Amen. Now I want you to pray. J'aimerais qu'on prie. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. As we get ready, start to get ready to close. Au moment où s'apprête à clôturer. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. From what you've learned today. Partant de ce que tu as appris aujourd'hui. From what you've learned today. Partant de ce que tu as appris. I want you to pray.